on y est. C'est la salle informatique. Sur le web, sur le web. Pas question, Brock, on n'a pas le temps. Parker, attends, je le crois pas. Quoi encore? Oui, on sent une présence. Quoi? Quelle présence? C'est notre autre moitié. Carnage, le symbiote, il faut le stopper. Maintenant? Oui, tout de suite, nous n'avons pas le choix. Vas-y, fais encore plus de bruit, c'est juste une petite effraction. Mes sens sont en alerte. Qu'est-ce qui se passe? C'est clair, celui qui est derrière tout ça contrôle les symbiotes. Ces symbiotes cherchent sûrement des hôtes humains. Si tous les symbiotes sont aussi redoutables que Venom et Carnage, Spider-Man a du souci à se faire. Ah bah oui. Quelle journée ! Oh, merci Spider-Man. Alors moi qui le sais que c'est Spider-Man. Bon déjà, c'est quoi ces putains d'horreurs ? Bon, apparemment, c'est des symbiotes. Là, on arrive quand même à un moment du jeu. J'allais dire, c'est peut-être vers la fin, mais je crois pas, en fait. Je crois qu'il reste encore, entre guillemets... Je crois qu'on a quand même dépassé la moitié, mais on n'est pas au dernier tiers non plus. Ah ouais, quand même, hein, forcément, Venom qui voulait aller sur Internet. C'est vrai que si aujourd'hui, c'est totalement banal d'aller sur Internet, en l'an 2000, c'était quand même... le truc de ouf, quoi. Je peux... Ouais, si, on peut quand même les niquer. Mais je crois qu'il y a... J'ai rarement vu cet endroit aussi vide. Une toile spéciale qui permet de... Je peux enfin partir. Une toile spéciale qui permet de les buter assez facilement, quoi. Je parie qu'il n'y a pas de symbiote ici. Mes attaques de toile sont inefficaces. Allumez l'air conditionné. Je serai libéré par le ventilateur. Déjà, mec, comment ça se fait que tu sois ici? Putain, la vache. Ok. Oh, merci. Merci pour tout. Exactly. Bon, ça marche. Alors. Bon, de toute façon, ça sert pas à grand chose de les affronter. Comme si Carnage et Venom ne suffisaient pas. Par contre, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils foutent ici? Ils ont l'air de venir du sous-sol. Ah. Ouais, ce que je me disais, c'est qu'est-ce qu'ils foutent dans le... qu'est-ce qu'ils foutent dans le bugle, quoi? Alors peut-être que j'ai un truc que j'ai oublié, un peu de... Bon, on va bien voir, hein. Putain, mais ce jeu il est trop bien en vrai, sérieux. Moi je me fais chier à faire des jeux nuls, des fois, alors qu'il y a des jeux bien qui existent. Comme ce Spider-Man. L'ascenseur est bloqué. Ça marche. Ah. Je dois remettre l'ascenseur en marche. Attends. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai aussi le Ken survivant sur... L'ascenseur remarche. Sur PS1, ce serait peut-être sympa de se le faire aussi. On se met de la vie. Essayons l'autre porte. Ok, je voulais juste essayer ça comme ça, mais ça sert strictement à rien. Ça marche. Attends, c'est pas vrai, quand est-ce que ça va finir? Attends, je peux pas écraser non plus. Ouais, c'est bon. Ah, pète sa mère. Ah, le hasard fait bien les choses. Oh, j'ai loupé l'étage. En plus, il y avait de la truc en bas, c'est bien. Ah, mais c'est génial. Ah, voilà. Essayons l'autre porte. Bon. C'est pas grave, on a un comics. Ah, putain. Ça marche. Ah, cette bonne vieille presse. Un générateur de symbiote. Voilà pourquoi il y en a autant. Ouais. Une de moins. Super. Moi, c'est la question que je me maintiens. Hein. C'est pourquoi c'est dans le Daily Bugle, quoi, tout ça.
À un moment donné, voilà, il veut une explication, il veut se faire respecter, hein. On va me dire que le jeu, il va nous laisser comme ça, dans l'interrogation la plus totale. Est-ce qu'il serait capable? Oui, oui, il en serait capable. Ah, ça c'était fermé tout à l'heure. Et je sens qu'en plus on peut mourir hein, si on saute dans les presses là. Plus qu'une. Oh la vache, tu sais que je l'ai même pas vu, je l'ai vu au dernier moment quoi. C'est dégueulasse ces machins. Putain. Il est tombé celui-ci. Ouais, voilà. Bon, c'est pas à voir cette fois. Du magnésium. Mélangé à ma toile, ce métal devient explosif. Voilà. Là, on discute. Là, on fait des hadokens de feu. Alors, peut-être qu'on va les conserver, en fait. Attention. Et voilà, c'était voilà. La dernière. Il y en a sûrement d'autres en bas. Voilà, ne casse pas les couilles. Il y en a d'autres en bas, mais, évidemment, mais... Ah, pète sa mère. Non. Putain. Non, c'est peut-être là-bas. Attends, je vais retourner. Voilà. Toujours pas là. Non, il faut peut-être que je retourne en arrière en vrai. Ah ouais, ça n'est pas que un jeu d'action d'action, hein, c'est aussi. Ah bah non, c'est pas grave. Attends. Non? Non, non. Ouais, voilà, si je tombe dedans, là je meurs de décès. Ouais, tu vois, en plus, il y a le sens d'araignée qui se met en route quand je me mets là, quoi. Ah, mais oh, hé, tu te fous de mon gueule ou comment ça se passe, le jeu? Peut-être que je m'avance? Non. Bah. Est-ce que le jeu serait pas en train de se foutre de... Ah, putain, mais la boussole! Oh là là, quel narvalo! Putain, j'ai totalement pas pensé à la boussole, quoi. Attends. Putain, mais je suis un connard ou comment ça se passe, là? Il y a un truc pour... Non, mais je suis un connard, c'est pas possible. Attends, là c'est dedans, ok. Là c'est là-dedans. Il faut que je vois. Oh putain. Oh enculé. Bon, là vous vous rendez pas compte encore une fois. Toujours pareil, hein, mais ça doit faire au moins 5 fois que je recommence là. Parce qu'il faut le dire, hein, ces putains de monstres, ils font hyper mal.
Et il te spam, il te crache dessus. C'était grave, mais maintenant c'est catastrophique. Oh, le méchant, il est là. Ça doit peut-être servir d'ouvrir ça. Ah putain, oh, ils font super mal. C'est quoi. Pas la chaleur, c'est l'humidité. D'où il sort cette ahurie? Ah, j'avais bien fait tout à l'heure. Allez, il va encore taper. Putain, c'est ahurissant comme ils font mal. Putain, heureusement qu'il y a de la vie, quoi. Putain, je suis mort ici tout à l'heure encore. Ça casse les couilles. Bim. Là, il y a un mur transparent. Qu'est-ce c'est normal. Que cette salle holographique fait là? Normalement, si vous connaissez un peu Spider-Man. Allez, bim. Voilà. Je suis mort aussi là, ça m'a cassé les couilles. Parce que oui, quand t'as pas de trucs comme ça, c'est pas évident. Hé, hey, l'imposteur, reviens ici, toi. Si je t'attrape... Hé, hey, voilà le voleur qui s'est fait passer pour moi. Ouais, je disais, cette fois, c'est la bonne. Son énergie passe par ses conduits translucides. Comme ça, tu peux utiliser ma toile renforcée pour détruire ses conduits. Oh putain. Biométrique crabouillé. En fait, il est tellement parfait le doubleur. Oh putain, mais. Ah, on a bien vu que là, il courait pas. Hey! Un peu mieux faire. Culé! Ok, on va aller tout en bas là. Voilà. Tu choisis mal tes alliés, Mysterio. Ah, m'en fous, je vais spammer. Je crois que c'est une des meilleures choses à faire en vrai. Oh! Vas-y. Vas-y, Nick. Tu vas plus pouvoir brûler. Putain, mais. Tu veux que je dise, tes goûts vestimentaires sont déplorables. Ah, mais. Putain, mais. Il me faut de la life. Oh non! Non! Ok. Je l'ai raté. Enfin, un costume qui a la taille de ton ego. Oh oui! Oh oui! Oh, il a pas dit bonjour! Oh, il a pas dit bonjour, le salaud. Là, tu te dis, j'aurais mieux fait de continuer mon stage de lampadaire, hein. Pas vrai, tête d'ampoule? Trêve de bavardage, pauvre fou! Au contraire, parlons franchement, éclaire-moi, qui est derrière tout ça? Mysterio est peut-être vaincu, mais l'invasion symbiotique ne pourra être stoppée. Quelle invasion symbiotique? Il y en a d'autres? Tu n'as toujours pas compris? Le brouillard qui se répand sur la ville va m'aider à transformer tous les New Yorkais en symbiotes. T'as les filaments grillés, Mysterio. Oh, D'où est-ce qu'il sort? Ah, sur les quais. L'entrepôt 65, il y a un passage secret. Je paierai cher pour les voir te détruire. Je sais pas qui est ton boss, mais il délire complètement. Personne ne peut contrôler les symbiotes. Tu veux dire, personne jusqu'à ce jour? Laisse tomber les précisions historiques. C'est pas un jeu, mystérieux. Les symbiotes vont tout détruire sur leur passage. Je dois les stopper. Spider-Man vient d'arriver. À peu près à 100 mètres. Je peux pas le louper. Incroyable. Comment il a fait pour me voir? Je l'ai perdu. Il a volé mon viseur. Hé, hey, monsieur Musk. Je suis désolé pour ta lentille.
Punisher. J'ai l'impression que sur ce coup, on a les mêmes objectifs. C'est ici, l'entrepôt 65. On pourrait faire équipe. Couvre-moi. Non, merci, sans façon, tête de mort. Je voudrais éviter le génocide, si tu vois ce que je veux dire. Comme tu veux. Le Punisher ne peut pas m'aider sur ce coup. Je dois me débrouiller tout seul. Ah, les entrepôts. Dans les comics, ils cachent toujours le quartier général de super-vilains obsédés par le high-tech. Je pense que celui-ci ne fera pas exception à la règle. Encore des symbiotes. J'ai toujours autant de veines, moi. Eh bien, au moins, la voix off, elle a... Elle a résumé le bordel. Bon, je crois que là, c'est la dernière zone, entre guillemets. On arrive... Ah, c'est vrai qu'il y a des combos. Le mec, il découvre ça aujourd'hui. Ah, de toute façon, je crois qu'ici aussi, il y a des... Ah putain. Allez ! Voilà. J'ai plus de fluide pour mes toiles. Ah, t'as plus de fluide. Ce serait bien de trouver une cartouche bleue. Histoire de... éviter de faire un Hadoken. Ah, j'ai déjà eu de la vie là, c'est déjà bien. Je suis au top de ma forme. Ok, on est au top de sa forme. Bon, et c'est pas grave. Les cartouches de toile sont vides. Putain! Il y a beaucoup de vie, mais il y a très peu de cartouches en tout cas. Voilà. Quand même stylé, hein. Même quand je balance, elle est jaune la toile. C'est quoi ça? Un passage secret? Là-bas, ouais. Pas assez de fluide. Oh putain. En plus ils font mal ces enculés quoi. Je l'ai suffisamment dit. Wow, dans tout à l'heure, donc fou. D'autres machines à détruire. J'ai l'impression que ça se recharge un petit peu tout seul, quand même, si jamais... si jamais on trouve pas de fluide normal. Qui pop. Plus de problème pour les générateurs. Exactly. D'ailleurs, je crois qu'aussi on peut les... Hop. On peut les détruire d'ailleurs en les lançant sur ces caisses-là ou leur jeter... Ou si on leur jette ces caisses. Ah, point de contrôle. J'aime les points de contrôle. Ce ventilo est gigantesque. Il doit y avoir une structure énorme en bas. Ah. Phew. Phew. J'aime le béton, l'eau qui ruisselle, c'est frais. Je sens un danger. Oui. Je crois que ça devrait être bien là, ouais, ça va suffire. Ça va. Pas d'hésitation, Peter. Geronimo! Et sans parachute! Ah là là, les gens! Ah là là, troisième game là-dessus, sur ce niveau. Je putain. Suis à quelle profondeur, là? Ah, comment c'est chiant. Ah, je vous jure, des fois, il y a des trucs dans la vie qui cassent les couilles. Et c'est même pas, tu vois, un manque de skill, hein. Non, mais c'est une blague. Bon, résumons. On est 6 pieds sous terre, le sol et les murs sont électrifiés, et toutes ces armes électroniques me regardent d'un sale œil. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Ouais,
c'est même pas un manque de skill, c'est vraiment un manque de d'attention, un manque de... Voilà, tu pourrais faire plus attention, connard. Voilà, en fait, finalement, c'est pas... Voilà, tu vois, là j'y vais un peu hasard de, à la beuglette, et je me dis que ça passe, tu vois. Alors que c'est pas une bonne idée de faire ça. Donc, il faut se respecter dans la vie. Faut faire attention, putain, on te présente un gameplay, respecte-le. C'est sûr que franchement, je sais pas qui est le proprio, hein, mais putain, pour financer tout ça, là... Ah là là, comment c'est la merde. J'ai l'impression que je ne suis pas le bienvenu. Oh la vache. La facture de chauffage doit être hallucinante. Qui a dit que le crime ne paie pas? Moi, je suis mort à cause de ce putain de levier de tout à l'heure, là. Tu vois, je voulais le faire tout bien, tu vois, je voulais retourner en arrière, tu vois, normal. Donc là, on va faire les choses bien. Même si apparemment, ça veut pas. Allez, on va essayer, nique sa mère. Ah bah voilà, ça va bien, là, ça passe. Ah là là. La vie, des fois, c'est dur. Voilà. On ne cassera plus les couilles. Putain. J'ai flippé, des fois, ce jeu. Donc, c'est la porte qui est en bas qui a été ouverte. Parce que caméra, la caméra. La caméra. Caméra de la PlayStation 1, elle est géniale. Oh, des trucs. Fastage. Exactement, on aime les comics, c'est pour ça qu'on se fait chier à aller chercher. Voilà. Voilà. Tranquille. On n'est pas pressé. Pourquoi on serait pressé? Hein, explique-moi. Pourquoi là j'ai pris un risque encore? Parce que oui, j'aime prendre des risques. Ma vie est comme ça. Putain mais... Moi, encore une fois, hein, bon, je l'ai dit tout à l'heure, je pense pas que vous l'auriez entendu, vu que je vais très certainement couper les moments où je suis mort. Mais putain, le mec qui n'est pas Spider-Man, qui doit aller d'un point A à un point B, pouah, il galère, quoi. C'est franchement, là... Ok, on arrête avec les lasers. Y'a qui peut aller à... qui peut aller là-bas, là? On est d'accord que non, que ce n'est pas possible. Que, voilà, le méchant, c'est Venom, ou quoi, je veux dire. Y'a que lui qui peut éventuellement... voilà. Voilà, je sais pas à quoi rajouter tous. Mais tu te respectes. C'est quoi ce truc? Putain, mais ça sert à quoi tout ça? C'est de là que vient le brouillard. On va enfin pouvoir y voir plus clair. Mmh.
Ah bah moi ça m'a remis ma vie. Voilà, ça on va pas avoir les couilles. Alors là il va y avoir un ordre, on va... ouais. Je sais pas pourquoi mais j'ai envie d'aller là en premier. C'est marqué Security Control. Hey, c'est mon jour de chance. L'araignée, ça me fait plaisir de te voir. Chatte noire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qui tire les ficelles? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais pas plus que toi, je ne me souviens de rien. Les infirmiers ont dû me droguer et je me suis réveillée ici, c'est tout. Mais tu dois me sortir de là. D'accord. Mais comment? Si tu parviens à couper le courant, je pourrais m'en sortir. J'ai compris. Ok. Alors, on peut utiliser ça... Non. J'ai surestimé le jeu, là, un peu. Ah, peut-être là-bas, là. Là, il se passe quelque chose, là-bas. Ah, non, j'ai pas surestimé le jeu. Le jeu est bien. Ce système électronique contrôle sans doute le verrouillage des portes. Donc, on a retrouvé la chatte noire. J'ai besoin de renforcer l'impact de ma toile. Alors. On va aller au A. Gagné. A priori, le système informatique gère les conduits d'aération. Si je bloque l'évacuation tout en augmentant le niveau de fumée, ça fera tout péter. Et il n'y aura plus de courant. Ingénieux, non? Bien sûr que c'est ingénieux. Donc, voilà, trois à faire. Pas mal, mais pas suffisant. Il me faut plus de pression. Ah, il faut plus de pression. Non, je voulais pas. Je suis au top de ma forme. Mais je vais quand même le prendre juste pour entendre la punchline. Non, pas là. Je respecte pas. Presque. Ça va pas tarder à exploser. Encore la plus chaîne qu'on aime. Je suis au top de ma forme. Et ça c'est bon. Voilà, c'est pour ça que je prends pas les couilles. Et je crois que j'ai pas été au B. Voilà, c'est ça. Excellent, ça marche. Mille merci, mon grand. T'as réussi. C'est mon boulot, chaton. Toi, file chercher du secours. Moi, je veux découvrir qui est derrière tout ça. Pigé, je me dépêche. Qui que tu sois, écoute-moi. Personne ne peut contrôler les symbiotes. Personne. Je n'ai pas besoin de contrôler les symbiotes. Octopus. Nous formons une entité. Nous allons bientôt entrer dans une nouvelle ère. L'humanité va enfin découvrir l'univers symbiotique. J'aurais dû m'en douter. On ne change pas sa vraie nature. Dans un nouvel ordre mondial, ceux qui refusent ma vision devront être éliminés. Commençons par toi. Hein? Allez tous en piste. Ça sent le symbiote moisi. Et c'est pas moi. Et que la fête commence, grand-père. Enfin seul. Qu'on en finisse, Spider-Man.
Cette barrière est infranchisable, pauvre crétin. Ouais, c'est incroyable. Par contre, est-ce que je suis le seul à me dire, tel combat contre Venom et Carnage a l'air vachement plus cool. Putain. La puissance passe un peu, mais ce n'est pas suffisant. Ok. Donc c'est clair ce qu'il faut faire. Il faut esquiver ses culs. Tu perds ton temps, Spider-Man. Tu perds ton temps, Spider-Man. Alors je peux passer par au-dessus quand même. Non, c'est pas le plus. Ça marche. Encore un peu. Et... Ah. Ah. Génial. Tire ta révérence, Otto. Oh, son bouclier s'est remis en marche. Vite. Hey, je t'ai kiffé l'eau. Ah, je crois qu'il a disparu le truc. Le comics. Bon, quand ça va, il fait pas très mal. Ça va. Je suis indestructible. Attendez, il va être là, celui-là, là. Je le sens bien. Oh oui. Oh oui. Bon, faut quitte. Ah, putain. Tu vas mourir. Arrête. On va préparer le coup avant. On va préparer à mettre les points en. Allez. Ah bah non. Non, je suis vaincu. Mais non, pas encore, attends, il reste de la vie. Là, le boss par contre, bon, il est pas super fort quoi. J'attendais un petit peu plus corsé quoi. Par contre le boss de fin, le moment final il est vraiment epicness quoi. Heureusement qu'il fait pas très mal. Ah, pète sa mère, j'ai eu le temps. Non, ah, là-bas. Je suis vaincu. Là, il est vraiment vaincu. Il y a une bulle solide au milieu de la pièce. Vu que les symbiotes ne sont sensibles qu'au feu et aux ondes soniques, le vieux Doc a dû installer ça au cas où Carnage voudrait lui faire des misères. De quelle couleur est ton sang, l'araignée ? Allez, quatrième round. Le mec qui sort des références d'Okuto no Ken là. Non, allez, j'ai plus ma vie. Voilà. Pourtant, il est pas très dur, hein, mais. Ah oh, putain, moi je lui rentre dedans quoi. Tu vas mourir. Est-ce que ça existe des mecs cons comme moi? Mais non. Voilà. C'était prière.
C'est presque ça. C'était mais non, mais... prière. Putain. C'était prière. Oh, alors ça... Bon, tu verras heureusement qu'il ne touche pas... Petite frappe d'invulnérabilité. Bon, ça va, il part... Ah, donc par loin, c'était très con. Voilà, putain, là je le défonce. Oh, je me suis. Ah, ouais, d'accord. Vraiment le finir là-dedans, quoi. Putain, tu vas voir que je vais mourir. Ah, c'est bon, je vais le renvoyer là-dedans. T'es qu'un raté, Cletus Kasady. Comme je disais à Mysterio, personne ne peut contrôler les symbiotes. Enfin, personne que je connaisse. Ah, je vais avoir le temps de souffler un peu. Au moins, on ne s'ennuie pas. Mais que... C'est Hawk ? Bah franchement, je meurs quasiment au même endroit maintenant, c'est vraiment chiant quoi. Je conduis là. Faut que j'appuie sur R1 pour monter en vitesse. Là, il va me rattraper d'un coup là. Genre je crois que de toute façon automatiquement il se TP, il dit ça, il accélère mais vraiment de ouf quoi. Putain. Jamais il me lâche. Ah là là. Niveau 4, putain! Parce que j'avais un souvenir que ce jeu était vraiment. Putain, et là pour la première fois, j'arrête d'utiliser la croix directionnelle, j'utilise le joystick. Ah, il accélère de ouf, hein! Ça s'arrête jamais! Non, il est bloqué. On va utiliser le stick, la croix directionnelle. Je sais pas pourquoi, je me sens plus à l'aise. Allez. N'approche pas. Ah, putain. Je suis quasiment dehors. Ah. Niveau 3, encore 2. Et B. La pression monte. Je m'étonne qu'elle monte la pression. Plus quand tu vois là-haut, je te jure, c'est... Il y a la pression quoi, qui est présente. Ah, elle est présente la pression, hein, bordel. Hein. Ne me lâche pas d'une semaine. Ok. Ah, c'est le moment où ça va devenir compliqué. Dégage.
je suis presque. Ça va, c'est un tension de comique, j'arrive pas à passer devant depuis tout à l'heure. Voilà, là c'est là, il va s'énerver. Non, mais putain, ta mère! La situation devient critique. Ça devient critique, effectivement. Il est proche, t'enculé. Il est proche, ce bâtard. Ok. 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 Ok, là j'ai réussi, c'est bon. Ok. C'est bon. Lâche-moi. Oui. Docteur Hawk. C'est le symbiote qui a sauvé la peau d'Octopus. J'hallucine. Faut vraiment le voir pour le croire. Tout était bien. Tout finit bien. C'est quoi ce délire ? Heureusement que le chat noir m'a appelé. Et on peut dire qu'il était moyen. Tisseur, tu pourrais m'avoir un autographe de Captain America. C'est pas vrai. Punisher, t'aurais pas l'as de pique? Non, pioche. Ah, sympa de te joindre à nous, l'araignée. Vous êtes gentil, je viens de sauver New York, alors c'est pas une partie de cartes qui va me faire peur. Ne compte pas sur tes sens pour gagner. Et Daredevil, te gêne pas. Tu pourrais arrêter de mater mes cartes. Inutile de mater ton jeu, Punisher. Tu bluffes, c'est tellement évident. Ok, on se calme. C'est juste un jeu, les gars. Alors, piano. Pourquoi il est là, ce gros lourd? Eh, ça vous gênerait pas de baisser un peu? Hey, relax! Je fais chauffer l'ambiance! Hey, attendez que je comprenne. Vous vous êtes tous associés et vous n'avez pas réussi à débarrasser la planète de l'araignée? Hey, c'est pas ma faute! Le plan d'Octavius était complètement nul! Tout le monde sait qu'on ne peut pas contrôler les symbiotes! Scorpion, Rhino, Octopus la pieuvre. Là, je pige, mais Mysterio, c'est quoi un nom de glace? Bon, Rhino, t'as un as? À moi le jackpot! Alors, les gars, on se croit toujours plus intelligents que les autres. Mais qui c'est le meilleur aujourd'hui? Vous faites moins les malins, hein? J'ai gagné. Attendez deux secondes, je me suis trompé. Yo les gens, et bah écoutez, c'était Spider-Man sur PlayStation 1. Et on a pu voir un fin avec un point d'interrogation, et ben, est-ce que c'est la fin? Oui, parce que en fait la suite, en fait c'est la suite qu'il y a sur PS1 hein, également, qu'on fera peut-être à l'occasion. Mais je l'ai vachement moins aimé celui-là, le Spider-Man 2 sur PlayStation 1, la revanche d'Electro. Par contre celui-là, bon souvenir quoi, vraiment, vraiment bien. Et je fais bien exprès de parler par-dessus pour pas me faire striker, même si bon la musique vous l'entendez, elle est bien, elle est peut-être sa mère, elle est épique. Voilà. Les vrais connaissent. Hein, même ceux connaissent vraiment la version française hein, également. C'est tout aussi épique. Et ce que je disais tout à l'heure, ou dans une autre vidéo, pour ça, enfin, pour moi, c'est vrai que j'ai tout enregistré d'un coup, hein, donc voilà. C'est que là on voit la tenue symbiote, donc les costumes qu'on peut débloquer, qu'on va aller voir d'ailleurs tout de suite. D'ailleurs on remercie les musiques de Apollo 440 et de Sonic Fusion. D'ailleurs c'est Jennifer Hall pour Mary Jane, donc Naomi Hunter dans Metal Gear Solid. Donc attends, il y a des noms un peu connus.
Il y avait Captain America aussi qui a fait une apparition. Hein. Encore Smith. Et Stan Lee qui était lui-même. Alors que Stan Lee, bah, je sais pas où il était, à moins que ce soit le narrateur. Mais bon, ouais, voilà. Je sais pas, à moins qu'il fait un caméo dans le jeu et en fait on ne sait pas où il est. Bon, on va passer le générique, hein, il est plus très intéressant de toute façon. Donc, là on est de retour dans le menu principal. Et on va aller voir les costumes. Alors entre temps j'ai fait le code, comme ça vous pourrez voir tous les costumes. Alors on a, bon, forcément le Spider-Man classique, hein, qu'on a vu tout le long du jeu. Le Spider-Man de 1999, donc il est plus balèze, tout simplement. Il y a le symbiote, c'est celui que je disais tout à l'heure. Lui, ben, en fait, c'est celui que j'ai le plus joué quand j'étais gamin, parce que tout simplement, en fait, c'était le premier que tu débloques, et en plus, tu tombes jamais à court de toile, donc c'est assez goldé. Captain Universe, le meilleur costume, quoi, tout simplement. Les vulnérabilités, force accrue, toile illimitée, encaisse tous les coups. Donc voilà, ça c'est vraiment le costume goldé. Alors Spider-Man Unlimited peut devenir invisible, tout simplement. Appuyez sur L2 pour devenir invisible. Voilà, il peut être furtif mieux. C'est... Voilà. Alors l'araignée, pas de ceinture à cartouche, 2 cartouches maximum. Voilà, ça c'est vraiment si tu veux te lancer un challenge. voilà. Donc l'araignée écarlate. Et Ben Reilly, ce sont voilà, des costumes que tu débloques quand tu finis le jeu, mais qui ne sont qui, voilà, ils n'ont pas de truc particulier. Costume de ville, donc voilà, en plus la tête du symbiote avec la tenue de Peter Parker, mais que 2 cartouches, donc pareil, si tu veux te lancer un challenge, c'est comme l'araignée, sauf que bon, bah, t'as un peu plus de style et t'as Peter Parker et tu peux avoir que 2 cartouches maximum, bon, évidemment, hein, si tu veux jouer sans le costume. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Bon, fichier écrit, on s'en fout. Bon, les choix du niveau. La galerie. Galerie de personnages. Ça, c'est l'autre version de Peter Parker, l'araignée. Voilà, bon. Spider-Man est doté d'une force incroyable. Mais et il est là aussi où je très humain. Le prince des mers. Namor, c'est vrai qu'on le cite. Mais on, je sais même pas si on le voit, en fait. Et Captain America. Un modèle pour tous les super-héros de l'univers. Voici le vertueux Captain America. Et donc voilà ce que je voulais dire, ce que je disais dans... Le bon docteur a visiblement trouvé le moyen de se transformer en symbiote. Première apparition exclusivement dans ce jeu, c'est plutôt cool. Il y a même des storyboards, c'est quand même pas mal. C'est vrai que c'est sympa quand même. Alors par contre, ouais, ouais, c'est ce que je voulais montrer, ça, les affiches du jeu. C'est ce que vous n'avez pas vu pendant les temps de chargement. Donc je pense que là, quand on voit comme ça, la vidéo sera juste coupée en 6 parties. Donc voilà, ce qui représente ça, tout simplement. Donc... Ensuite, on a les comics, la gueule des comics qu'on débloque dans le jeu. Et c'est plutôt cool, quoi. Vraiment, c'est cool. Bon, je sais pas trop quoi rajouter en vrai, hein, mais voilà, il y a des trucs sympas. Voilà. Que dire de plus En tout cas, Tic-tac choum. Bon, de toute façon, cette partie de la vidéo, elle durera pas longtemps. Je pense que genre, ce sera comme un épilogue. Ça durera peut-être même pas 10 minutes. Merci d'avoir suivi ce let's play. En tout cas, je vais prendre du plaisir à le monter pour que ce soit agréable à regarder. J'aime pas vous demander, allez-y, abonnez-vous, blablabla, faites ce que vous voulez. Si vous avez de la partager, partagez. Si vous voulez liker, likez. Si vous voulez commenter, commentez. Évidemment, moi, ça me fera super plaisir. Et... J'espère à très vite dans un nouveau let's play. Bisous.